Je suis Olivier Legac, coureur cycliste professionnel chez Groupama FDJ et je vais vous présenter la première étape du Tour de France qui passe chez moi. Donc départ de Brest, départ réel donné à Plougastel, après on passe l'Opérette, Daoulas où je suis domicilié, Le Fou, où après on rattrape Rosnoen pour passer le pont de Térénèse. On arrive plus au sud du parcours avec passage à Quimper pour après passer par les monts d'Arrée, Praspart où je passe très souvent à l'entraînement avec Saint-Rivoil, après le Ménesmeur. C'est plusieurs fois par semaine que je passe par là. Le Tréhou, Saint-Urbain, où il y a plusieurs petites bosses qui vont faire mal. Et après redescendre sur Landerneau, où le placement sera très important, et puis la montée de la fosse au loup. C'est mon partenaire d'entraînement, et puis c'est devenu un bon collègue. On passe des heures quand même à s'entraîner tout l'hiver et même en courte saison. Je vois Laurent qui quitte les quais, mais ça monte déjà dès les quais et c'est pas large, donc le placement est très important. Après, il y a le passage sur les rails, tout petit replat à ce moment-là, et ça reprend encore les pourcentages. Et à peu près les 300-400 derniers mètres sont un peu en faux plat montant, plat. C'est ce qui est dur dans cette bosse, c'est que faut passer les pourcentages et réussir à en remettre sur le haut. Donc après le départ de Brest, le départ réel devrait être donné vers Plougastel, je crois. Et au bout de moins de 10 km, le tour passera donc à Daoulas, là où je suis domicilié. Sur cette route ici, on traverse donc le bourg et c'est à plus ou moins 100 mètres de la maison. Donc, j'aimerais vraiment y être, j'espère y être et passer encore à côté de la maison après le tour en 2018, ce serait un grand moment encore. Donc en 2018, passage à Pouvien, c'est un super temps. Et je vois le monde là, c'est impressionnant, le monde qui a les frissons, les poils qui s'hérissent. Donc, c'était impressionnant. Voir mes proches, je reste une trentaine de secondes. Dès l'entrée de Pouvien, je connaissais plein de monde, donc je saluais et puis je suis tombé par hasard, mais bon, j'ai vu mes parents, donc j'ai leur visage m'a sauté aux yeux et puis je me suis arrêté juste où ils étaient, mais je savais pas forcément qui ils étaient à cet endroit-là et ça aurait pas forcément été évident vu le monde qu'il y avait, donc le hasard a bien fait les choses.